De retour dans l'Africa Newsroom, nous avons été rejoints par M. Moulay Seynali. Vous êtes fondateur de l'agence Touareg Communication. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de votre invitation. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Samuel Gembok et Gratien Arukundikiza. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. La mode made in Niger fait parler d'elle depuis les années 1990 avec la première édition du FIMA, le Festival international de la mode africaine. Aujourd'hui, la jeune génération de créateurs nourrit l'ambition de sortir la mode nigérienne des sentiers battus. Voyez ce reportage de notre correspondant à Niamey, Sado Alizé Mokhtar. Au Niger, les entreprises et industries culturelles constitue l'un des leviers économiques qui génèrent une valeur ajoutée et créent des emplois. Elles sont également un important moyen de préservation et de promotion de la diversité culturelle très menacée en cette ère de mondialisation. Conscient des apports significatifs de la culture à l'élan économique et aussi dans le cadre de la création de nouvelles opportunités pour les jeunes, le gouvernement du Niger a créé en 2009 l'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles APEC. Elle a pour mission de participer à l'élaboration de stratégies pour former les entrepreneurs et attirer les investisseurs vers les industries créatives. Parmi les secteurs prioritaires, la mode. L'idée était d'accompagner les acteurs du domaine pour leur permettre de passer du cadre informel au cadre formel. C'est d'autant plus important aujourd'hui que la mode africaine commence à séduire le monde. Cet engouement a démarré avec la création de la première édition du FIMA, Festival international de la mode africaine qui s'est déroulé dans le désert de Tigidit en 1998 au Niger. Né de l'imagination du styliste nigérien Alpha Di, le film en fait partie aujourd'hui des plus grands rendez-vous des professionnels de la mode sur le continent africain. Il permet l'expression des talents qui se réalisent à partir de la culture. Aujourd'hui, la jeune génération de créateurs a une vision plus large, celle de sortir l'art et la mode nigérien des sentiers battus. Elle veut s'affirmer sur la scène internationale en révalorisant la mode à l'africaine. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes s'intéressent à la mode. Avant, vous pouviez compter les jeunes qui sont dans le stylisme, qui sont au niveau de la mode, qui font bouger les choses. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent évoluer dans ce domaine-là et qui amènent le traditionnel au moderne, les combiner ensemble pour pouvoir vraiment faire sortir cette identité du Niger. Présenter de façon non exhaustive les vêtements et les parures traditionnelles portées par les différentes ethnies au Niger et faire la promotion et la diffusion artistique de la mode au Niger sont entre autres les objectifs visés par ces jeunes. Avec les autres stylistes, on compte mettre en place la Niamey Fashion Week, beaucoup de festivals, beaucoup vraiment de manifestations, beaucoup d'activités qui permettront vraiment de découvrir la mode nigérienne. La mode nigérienne d'abord parce qu'on a tellement de choses à montrer, on a tellement de choses à faire découvrir. On a un côté du Niger qui n'est pas sombre. Le Niger n'est pas vraiment noir, l'Afrique n'est pas noire, je l'ai toujours dit. Et dans mes créations, moi j'essaie tout le temps de faire découvrir vraiment un côté coloré, un côté brillant d'une Afrique où les gens croient que c'est un continent noir et tout. Donc avec les autres stylistes, je suis sûre qu'on arrivera. Promouvoir le savoir-faire des stylistes et contribuer à la mise en valeur de la mode contemporaine du Niger et à sa promotion commerciale est l'une des prérogatives de l'État. Pour ce faire, il entend utiliser les marchés publics comme levier pour leur permettre d'acquérir l'expérience et l'expertise à même d'attirer la clientèle. J'ai constaté qu'il y a des jeunes stylistes qui sont en train de faire des belles choses dans le domaine de la mode et particulièrement des femmes qu'il faudrait encourager. Et je crois que c'est normal que je parle d'heureuse coïncidence quand on sait que à l'entame de ce deuxième mandat du président Issoufou Mahamadou, la renaissance culturelle est au cœur du programme. Il s'agit aussi de mettre à l'honneur les cultures traditionnelles nigériennes et œuvrer à leur rayonnement international. Le pari semble être gagné. J'ai traversé la frontière du Niger à travers la mode. Je fais pas mal de pays de la sous-région, les pays limitrophes.
Et encore, j'ai quitté l'Afrique jusqu'en Europe pour défiler au nom de la mode. Donc, j'ai porté le nom du Niger au nom de la mode. C'est un facteur économique et c'est un facteur aussi culturel, quoi. Donc, c'est à travers la mode aujourd'hui qu'on peut reconnaître notre pays, le Niger, quoi. La diversité et l'originalité des créations de ces jeunes reflètent l'importance des traditions vestimentaires nigériennes, une de leurs premières sources d'inspiration. C'est là tout le mérite de ces couturiers qui arrivent à mêler subtilement tradition et modernité. J'essaie de mettre tout le temps des touches africaines dans mes créations, en mettant par exemple le bourrelan ou bien les kuntas ou bien les créations en pagne germa, pour un peu refléter ce côté traditionnel aussi dans les créations modernes. Donc la mode contribuera forcément plus tard, je ne dirais pas aujourd'hui, mais plus tard, au développement économique du pays, parce qu'il faudra reconnaître que les investisseurs, les grands investisseurs des autres pays s'intéressent de plus en plus à la mode africaine. L'entrepreneuriat en Afrique en général et au Niger en particulier, tout le monde sait ce que c'est. Et tant que vous n'avez pas un appui substantiel, c'est pas facile de sortir, de se faire connaître. Mais les choses commencent à bouger. Depuis un an maintenant, nous avons commencé à représenter le Niger hors de nos frontières, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Vraiment, ça a commencé à bouger et moi, j'ai de l'espoir. L'État nigérien, conscient de l'importance de la créativité des jeunes, entend promouvoir l'accès au financement pour les jeunes porteurs de projets. Il faut reconnaître à ce niveau que la création de l'APEC est un pas en avant. Nous avons décidé, dans les jours à venir, de renforcer APEC. On va la renforcer parce que c'est une institution qui va avoir en charge l'encouragement, la motivation à la créativité, la motivation à l'attachement ferme et professionnel à la culture et à la mode et aux arts. Et nous allons aussi promouvoir les activités qui vont dans le sens de rendre la mode apte à prendre, à jouer ce rôle de changement de mentalité. En créant un environnement favorable à l'essor des industries culturelles, le Niger pourra enregistrer, en plus de la croissance, des avantages économiques qui contribueront efficacement à la réduction de la pauvreté. À cet effet, le Niger a inscrit la culture comme un des éléments clés du programme de développement économique et social. Afin de tirer le maximum de profit de son potentiel culturel, le Niger compte étendre et développer les activités de soutien relatives à la créativité des jeunes à l'ensemble des régions du pays. Monsieur Moulay, comment se porte la mode nigérienne ? Mais écoutez, la mode nigérienne aujourd'hui veut être en pleine expansion, mais elle doit s'organiser. Il y a plusieurs points que l'on doit voir dans notre organisation entre les différentes villes déjà, mais aussi les événements. On doit s'organiser avec les différents ministères pour savoir justement quels moyens sont mis en œuvre pour fédérer tous ces créateurs, tous les acteurs de la création au Niger. Parce qu'on n'a aucune fédération qui réunit tous les acteurs de l'industrie de la mode au Niger, tels que les métiers de la création, les métiers de la communication, les métiers de la production et de l'artisanat. Mais depuis peu, on a aujourd'hui au Niger même la création de l'agence de promotion des entreprises et des industries culturelles. Mais il se trouve qu'il y a quelques complications sur les différentes réalités. Donc là, c'est au niveau statut réellement. On englobe au fait, au final, tous les métiers de la culture. Un photographe a le même statut qu'un créateur, tout comme a le même statut qu'un peintre. Et nous, on trouve ça déplorable pour nous, qui agissons depuis aujourd'hui près de 30 ans pour faire découvrir la mode nigérienne. Alors, le sujet d'aujourd'hui concerne les jeunes créateurs nigériens. Quel regard portez-vous justement sur cette nouvelle génération? Quelle est leur particularité finalement? Ce qu'on peut dire réellement, c'est qu'il y a la matière grise. La matière grise est là. La création, on a beaucoup d'idées qu'on met sur papier,
qu'on peut transposer tout de suite, travailler avec des ateliers et mettre tout de suite ces idées en forme. Les vêtements peuvent défiler. Mais aujourd'hui, on voit que la mode nigérienne s'exporte à Dakar, s'exporte à Paris, à New York. Quelques noms existent, certains jeunes créateurs existent face to face. Bianou aussi, Sami Ben, que je connais, Adiza aussi, sont les ambassadeurs de la mode nigérienne aujourd'hui. On les voit partout, ils essaient d'être présents sur le marché local et essaient de répondre à un marché à l'international, mais il faut aussi avoir, je pense, un gros bagage aussi au niveau de la production. – Alors Samuel, quelles sont les opportunités professionnelles qu'offre ce secteur de la mode ? Il y a plusieurs opportunités professionnelles, à la fois au niveau intérieur, au niveau national, comme au niveau international. Mais pour que ces opportunités prennent corps, pour que ces opportunités soient effectives, il faut d'abord rationaliser le secteur. Comme il le soulignait, je pense qu'il doit avoir plusieurs catégories dans le secteur, et donc il faut parfaitement rationaliser le secteur en identifiant clairement les métiers qui correspondent à chaque secteur. Et ensuite, il faut trouver un environnement propice au développement de la culture en général et peut-être de la mode en particulier. Et ensuite, il faut un vecteur au niveau international. Malheureusement, sur le continent, on n'a pas développé ce que c'est que la politique étrangère. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des ministères sont nommés ministères des relations extérieures. Donc la politique étrangère adopte une approche globale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que la diplomatie classique à partir des représentations diplomatiques, à partir des accréditations diplomatiques. Mais en même temps, on utilise ce canal pour exporter, projeter vers l'extérieur tout ce qu'on a comme ressources nationales. Donc à ce niveau, la mode peut devenir un secteur important pour l'économie nationale si elle rentre dans les canaux de la diplomatie nationale, si elle rentre dans les canaux de la politique étrangère du gouvernement, c'est-à-dire que l'État est capable de créer, au-delà des frontières nationales, des espaces d'expression de la mode nigérienne, au même titre que cela se fait à l'intérieur du pays. Mais il faut que tout cela soit pensé, il faut que tout cela soit matérialisé à partir des institutions, à partir des réflexions qui permettent d'identifier ce que, effectivement, la mode peut apporter au niveau d'abord de la croissance économique, en termes de réduction du chômage, en termes de développement social. – Justement, parlons-en, Gratien, la mode africaine en plein essor peut être une réponse à l'emploi des jeunes. Pourquoi les États africains ne misent pas plus sur ce secteur, finalement ? Parce que justement, c'est un secteur qui intéresse les jeunes, il faut le dire, alors que nos dirigeants ont un certain âge. Donc cela veut dire qu'il y a un certain décalage entre la jeunesse et les dirigeants. On voit même au niveau des ministres. Pourquoi, par exemple, on voit bien, il a bien expliqué, il y a la créativité, on produit, mais ils n'arrivent pas à vendre. Il manque un marketing, il manque aussi un soutien de l'État, un soutien des États à ces créateurs. Pourquoi, par exemple, ne pas subventionner les frais pour faire le tour de l'Afrique? Il y a l'Union africaine des politiciens. On a besoin de l'Union africaine des jeunes stylistes, des jeunes commerçants, pour qu'ils créent, pour qu'ils arrivent à vendre. Parce qu'on peut produire, mais pour créer des emplois, il faut vendre. C'est comme ça qu'on peut pérenniser les emplois. On aimerait aussi que nos chefs d'État, nos ministres, portent les tenues qui s'habillent. Non, qui ne viennent pas s'habiller à Paris, je ne vais pas citer les marques, mais qui s'habillent chez les stylistes du Niger, du Sénégal. Comme ça, on dirait, les Africains s'habillent africains. Donc, ça commence par les dirigeants et aussi le peuple suit. Tant que les dirigeants ne font pas, le peuple va continuer à mettre les costumes ou autres tenues. – La mode est certes un domaine, un secteur culturel, mais on oublie aussi que c'est aussi un secteur économique, et quand on parle d'économie, on doit mettre un but commercial, et là-dessus, on oublie justement de développer cette stratégie aujourd'hui qui est très importante pour le développement d'une marque, précisément. Et là, maintenant, en Afrique, on prend l'exemple d'Alpha Di, qui est l'un des créateurs les plus connus sur le continent, que ce soit de l'Afrique du Nord à l'Afrique
du Sud, on connaît Al Fadi et même au-delà de l'Afrique. Mais peut-on citer d'autres marques aujourd'hui? Je pense qu'on ne peut pas, on peut pas en nommer d'autres aujourd'hui. Et là, maintenant, avec l'État du Niger, il y a quelques organisations à mettre au point pour déjà aider ce domaine. La mode et surtout à mettre en place l'industrie de la mode. L'industrie de la mode passe par l'organisation. L'organisation des différents métiers dont j'ai cité tout à l'heure, les métiers de la création, de la production, de la communication, qui aideront à bien marketer justement la mode nigérienne, mais aussi à commercialiser derrière, à unifier les commerçants et les distributeurs locaux. – Justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, quand on parle de mode nigériane, on pense forcément au FIMA sur lequel vous travaillez. Oui. Qu'est-ce que ce festival a concrètement apporté au Niger sur le plan à la fois culturel et économique, puisqu'on en parle ?– Depuis 20 ans, le FIMA a créé, a apporté au fait les génies de la mode africaine depuis 20 ans. Il y a des noms, je ne peux même plus en citer, Angui Aïf qui me vient à l'esprit aujourd'hui, qui est d'origine camerounaise. Vous avez réussi à rassembler les plus grands noms de la mode africaine. Sur l'aspect événementiel, le FIMA a rassemblé près de 50 créateurs à chaque édition, toutes catégories confondues, que ce soit du grand créateur au jeune créateur. Donc ils étaient tous là ensemble pendant une semaine à s'échanger des idées, à mieux développer leur collection. Mais quel impact économique justement a eu cet événement pour le Niger? Pour le Niger, les retours économiques, je pense que c'est à voir localement, puisqu'il y a des dépenses énormes qui ont été faites localement. Le tourisme, ça rapporte, je pense qu'il y a eu un sacré retour au niveau du tourisme. Là maintenant, je n'ai pas encore eu beaucoup de retours là-dessus, mais d'après ce que moi j'ai pu observer, c'est qu'on ramenait quand même près de 1000 personnes pendant chaque événement pendant chaque édition. Ce qui a forcément boosté l'activité touristique du pays. Merci monsieur Moulay. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.